tous et à toutes, très contente aujourd'hui de vous retrouver à nouveau pour un nouveau tutoriel. On y va? Aujourd'hui, nous allons réaliser ce masque. Il est d'actualité. Malheureusement, avec ce que nous vivons en ce moment, il est très difficile de trouver des masques sur le marché et en plus, ils sont très chers. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire pour moi, pour mes amis, tous ceux que j'aime. Celui-ci peut être porté des deux sens et pourquoi pas en faire avec vos tenues assorties. Prenez des tissus de votre choix dans des tissus agréables à porter. La coupe. Vous aurez besoin de deux rectangles, 18 cm sur 20. Deux élastiques fins de 16 cm de longueur. Et deux biais de la couleur de votre choix. 12 cm de longueur. Le pliage. Moi, je vais vous le faire sur du papier. Ça va être plus visible. Vous allez déterminer le milieu de votre rectangle. De ce milieu, vous allez faire des petits plis de 1 cm. Écraser, épingle. Revenir à nouveau et vous faites un pli en allant vers le haut de 1 cm aussi. Et un autre, à nouveau, vers le haut de 1 cm. Vous allez obtenir ça. Et vous allez faire la même chose pour l'autre rectangle. Écrasez les plis avec un fer bien chaud. Une petite piqûre de 3 mm pour maintenir les plis de chaque côté. Et vous faites ça pour l'autre morceau aussi. Assemblez les deux rectangles endroit contre endroit. Et assurez-vous que les plis sont dans le même sens. Épinglez, piquez ce côté et ce côté, la valeur du pied presseur. Retournez sur l'endroit, faites une petite nervure de chaque côté, tout le long. Passez un point de zigzag sur les bords, chaque côté. Posez l'élastique à 1 cm à l'intérieur. Faites la même chose pour l'autre côté et épinglez. Faites attention au sens de l'élastique. Faites un point d'arrêt sur l'élastique pour bien le fixer. La pose du biais. Assurez-vous que la longueur de votre biais est bien plus longue que la largeur de votre masque. Il faut que vous ayez 2 cm de plus. Pliez le bord de 1 cm. Le poser sur votre masque, l'épingler, plier également 1 cm, poser le biais convenablement, épingler tout le long et faites une petite piqûre nervure de maintien avec un point d'arrêt début et fin. Et faites la même chose de l'autre côté. Faites une deuxième surpiqûre au milieu du biais. Et voilà le résultat. Vous le portez de ce sens ou de l'autre sens. Amusez-vous, faites-en plusieurs pour offrir à vos amis et à tous ceux que vous aimez. Voilà, c'est la fin déjà. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas un petit like, commentaire et surtout, abonnez-vous!